Le Palais Royal de Versailles. Résidence de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Quelle décadence! Bonne chance, cobaye. Oh, Shay! Vous me semblez apprêté pour côtoyer la noblesse. Peut-être le roi Louis en personne vous accordera-t-il audience. Je doute que cet habit me donne accès aux appartements du roi. Qu'importe. Je ne suis ici que pour y retrouver une relation d'affaires. Oui, j'ai appris qu'un groupe de marchands serait présent aujourd'hui. Ils viendront peut-être assister à ma démonstration scientifique. Ils le devraient. Ça leur ferait le plus grand bien. Mais si j'étais vous, je ne compterais pas sur leur présence. Veuillez m'excuser. Merci pour tout, Master Franklin. Bon, je dois trouver Charles et cette maudite boîte. C'est lui. Charles Dorian. Quand on a volé ses pommes. Je m'appelle Arnaud. Élise. Je suis venue avec mon père. Moi aussi. Il a une affaire importante avec le roi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Personne n'a rien fait.
messieurs, je protégerai cette relique au péril de ma vie. Arnaud ? Où es-tu passé ? Vous ! C'est vous le traître ! Je solde de vieux comptes, voilà tout. Vieux, Connor et ses assassins. Tout ce qu'ont fait les Templiers, la Révolution américaine l'a défait. Alors peut-être nous faut-il en provoquer une autre. Respectez les préceptes de notre ordre. Et tout ce que nous défendons, ne jamais divulguer nos secrets, ni la véritable nature de nos actes. Restez fidèles, quoi qu'il advienne, jusqu'à la mort. Tel est mon credo. Je suis Shay Patrick Cormac, templier du rite colonial. Du rite américain. J'ai gagné en âge. Peut-être en raison. Une guerre et une révolution ont pris fin. Une autre va bientôt éclater. Puisse le Père de la Sagesse nous guider. C'est avec un grand plaisir que je t'accueille ici aujourd'hui. Je dois bien reconnaître que t'as largement dépassé ton statut de cobaye. Les données extraites des mémoires de Shay Cormac se sont révélées précieuses. L'histoire de Shay porte un message. Elle nous enseigne que face au danger, l'assassin recherche non la liberté, mais l'ordre. Or, nous incarnons l'ordre le plus élevé qui soit. Ce que vous avez découvert dans l'Animus n'est que la partie émergée de l'iceberg. Nous existons depuis des millénaires, bien avant l'histoire connue de l'humanité. Et venons de renaître de nos cendres, derrière la façade d'Abstergo Industries. Et Entertainment. Vous avez franchi le seuil. Et ouvert grand les yeux. Vous avez vu le monde tel qu'il est réellement. Il est trop tard pour reculer. On a de grands projets pour toi. Le Père de la Sagesse vous a guidé jusqu'à nous. Et de cela, nous rendons grâce. Nous allons aujourd'hui vous mettre à l'épreuve. Et elle commence par un choix. Rejoignez-nous. Et vous connaîtrez un avenir radieux. Refuser.